Monsieur Jean Matera, vice-président et trésorier de l'amicale des Philippinois, Constantinois, Paris Terénem et Léon Samy, va s'adresser à vous. Mes chers amis, bienvenue à tous pour ce 37e Rassemblement national qui, dans mon esprit tout au moins, et celle du bureau, doit se perpétuer encore de nombreuses années si c'est possible. Donc, bienvenue à tous, et merci à M. le maire d'être présent, à M. Gaugier, conseiller régional, et Mme Cavitin, conseillère régionale. Je ne vais pas être trop long, mais vous avez, pour la plupart, remarqué l'absence de notre ami, le président Pascal Albanès. Il est très affaibli, il est sous. Le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, M. Charles Augier, conseiller régional, représentant M. Michel Vauzel, président du conseil régional. Et enfin, au nom de l'amicale des Philippinois, Constantinois et leurs amis, M. Claude Marcoux, représentant la Fédération de Lyon, M. André Gâteau, représentant la Fédération de Saint-Raphaël, M. Boris Rollo, vétéran du département d'Audramont, et M. René Labout, président de l'association Rhin et Danube. Vous savez, un dépôt de gerbes. Monsieur Georges Gédestra, député du Var, maire de Saint-Raphaël. Madame Nadine Capitaine, conseiller régional, adjoint maire de la ville de Saint-Raphaël. Monsieur Jean Matera, représentant Monsieur Pascal Albanès, président de la section Var extérieure de l'amicale des Philippinois, Constantinois et leurs amis. Nous avons quitté par nos défailles et nous gardons.